Et il a pour mes voler, attendez. Mais l'aéroport international là. En bas de l'eau. Mais. Pas besoin d'eau pour dehors. OK, aéroport international Maïgati. Mais il a pour mes voler. OK, on s'il a pu tomber. Mais. Il y a qu'à la carrière parce que on dans l'aéroport, ils m'ont dit. Rien de vous dire. Et bien. Si ce n'est pas mon Dieu, monsieur, t'as prélé, je dis à la même, t'as pris Gorel dans la cour, pas ton prince. Et surtout dans la famille, monsieur, t'as pris le pile crier. Ça t'a pris très dur pour la population haïtienne, non? Après que vous finissez la mort, Mika Ben, après ça, pour t'attendre la mort, mesdames, messieurs, Robinson, qui pratiquement un journaliste extraordinaire, Robinson Alphonse, mesdames, messieurs. Qui s'est passé? Matin bien bonheur, monsieur a préparé pour voir comment il est capable d'aller dans l'activité. Mais j'aime bien dire dans l'occupation pour aller desservir une population qui élargit à travers ou éparpille à travers le monde. Pour connaître qui s'est passé dans le pays d'Haïti, qui s'est bagalayé, qui s'est doit faire. Mais c'est de là, mes frères et sœurs amis, monsieur Alphonse a passé dans la route d'Elmar. Entre 40 B, c'est là que M. Tabral fait face à plusieurs individus mal intentionnés. Malheureusement, M. Mange Joan avec Zogrini. Si ce n'est pas papa, bon Dieu, qui est dans le ciel là. Donc, Alphonse Tabgeta fait voile pour payer son chapeau. Dans le moment ça, c'est Saint-Tic Teka Maré. C'était un mec Teka Boué. C'est tête qui était supposée, mesdames, messieurs, à bien compresser sous lui. Mais grâce à Xila qui est dans le ciel là. Qui c'est chef des chefs, roi des rois. Et bien mes frères et sœurs amis, dans le moment même n'a parlé à là, Alphonse, il y a un petit problème vrai l'hôpital, mais à travers l'émission, ma bonne détail. Mais au départ, ma bdouk pas trop grave. La coupe pays d'Haïti inondée. Moun zone en bas pour taille les organes après les mouy pour l'État. Qui t'a comme quoi fait pose yo soud yo avec yo bébé. Yo pas comprendre ce qui a passé là. Mesdames, messieurs. Moun nan portail le organ di depuis bon Dieu ni choisi fon ti pipi et bien toute zone nan neye image ça ou pral gade là c'est image côté en bas ça portail le organ toute la rue net c'est galette l'autre côté qui nous de pired en dans aéroport tout Saint l'ouverture international tout Saint l'ouverture et bien monsieur Sayo y a prélé en mray pour l'état puisque yo neye. Dans le moment même, nous avons parlé là, mesdames, messieurs, qui ça a passé dans le pays d'Haïti, pour qui ça c'est qu'on s'en va galayer, qui ça on moun ta supposé faire, qui ça nous fait na payer. Mes frères et sœurs, m'y a pile image, mal profiter mon trou, mais m'a dit au départ, donc payer pas trop facile, bagaille pas trop easy. Bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous est-ce qu'on a kembe? Est-ce que tout bagaille en forme? M'a pas de trop bonne nouvelle, mais ça qui est important, quel que soit Jean Bagalaye, ou bien non pas, m'a toujours fait effort pour m'a chercher information, m'a poté le barou, sans qu'on pas même besoin faire effort. N'a pas salué tout le monde qui prend le sucre pour garder nous depuis Chili, et République Dominicaine, la France, les États-Unis d'Amérique, la Guyane, moun kap garder nous, la Martinique, kap garder nous partout à travers le monde. Merci à nous-mêmes qui pratiquement pas jamais lagué gros bout de tonton média ça mesdames messieurs qui ça cap passé m'a dit de regarder image et puis moi-même m'a venir avec information à Alphonse là tout de suite après puisque grand pile monde qui a posé cette question qui ça cap passé pour qui ça c'est comme ça bagalayer comme ça qui ça ca la cause c'est comme ça bagala passé est-ce que pas un changement qui t'a opéré pour augmenter et pour augmenter yon arrangement dans la société, mesdames, messieurs. Donc, finalement, Haïti semble un pays qui n'a pas de chance. On regarde, je vais venir tout de suite après, mesdames, messieurs. Allô, ministre, comment est-ce que ministre, je connais des gens sous groupe là, connais, y'a pas de cavalier ça. Sous pas sous groupe là, je vais téléphoner, je vais dire ça. Voilà, pour ta Léogan. Pour vivre première avenue. Regardez pour vous, vous cochon à vivre, pas cochon de vous propre qui est là. Ok, monsieur le ministre, je ne fais pas politique, mais ça va me faire à un monde moins et tout, avant tout. Moun. Ok, ministre, qu'est-ce que vous avez fait, ministre? Pas seulement manger comme l'État, vous avez touché
gade sou kavo on goup nèg en bas camion c'est néon en bas pour venir nettoyer en bas. OK ministre, mais pays n'a goumen pour li, attendez, mais aéroport international là en bas de l'eau. Mais pas besoin d'eau pour dehors. OK, aéroport international maigati ni mais pays n'a goumen pour li. OK, on s'il a pu tomber là. Je vais faire la carrière parce que on dans l'aéroport, ils nous dit. Rien de vous dire. Bien payé. Image sans se garder là, mesdames, messieurs, c'est image. La coupe Port-au-Prince ou bien pays d'Haïti à travers nos différentes zones qui inondaient malheureusement, qui pratiquement en bas de l'eau, dans le moment même n'a parlé à la, mesdames, messieurs, qui s'est passé? Pour qui ça, c'est quoi ça, bagaille, a fait comme ça? Personne, moun, pas connaît. Mais ça qui est évident, mes frères et sœurs, amis, vous regardez image côté, portail Léogane qui en bas la boue, en bas l'orbeille net, mesdames, messieurs. Ou t'as gardé tout, il y a plusieurs l'autre côté. Nous parlons de l'aéroport Toussaint Louverture qui pratiquement en bas de l'eau. Gagnez tout. Eh bien, divers côtés, ça y est, mesdames, messieurs. Vraiment gagné en pile difficulté. Moun nan aéroport Toussaint Louverture après les Amrey. Moun à travers différentes zones. Abdi yo pas capable encore. Trop de l'eau, trop souffrance. Alors en général, j'aimerais me dire ça, pays d'Haïti a fait face à un pile problème. Et problème ça y est, malheureusement, personne moun pas capable de camper, l'idée n'a pas résoudre problème non. Même si nous avons parlé des politiciens, parlé de personnalités qui dans le secteur privé a, parlé d'un paquet d'autres moun, je vous garantis mes frères et sœurs amis, ce ne serait pas vraiment possible à cause que situation il pas jamais suspendre, détériorer matin, midi et soir. Oui, oui, Haïti semblait pas de chance, ta semblé nous conjurer grand monde. Et si m'ta ka répété, et un coup, on pasteur te dit, eh bien, c'est peut-être à cause de crimes que nous fait notre premier président, à savoir Jean-Jacques Dessalines, a été assassiné par, même nous-mêmes encore, mes frères et sœurs, qui décidaient de faire ça, mesdames, messieurs. En tout cas, pays ça a fait face à deux difficultés tout à fait énormes. Des difficultés, personne moun pas capable au fait et surmonter ou bien oublier comme ça. En tout cas, l'autre dossier qui est très important que je voulais parler de lui, qui peut-être dans information que nous t'as cherché, dans quête information nous choisis par rapport à quelques infos nous gagnons, nous pas bail trop de détails parce que Alphonse personnellement dit nous il y a des bagages qu'il pas besoin de sortir. Il y a des bagailles qui n'ont pas besoin qui abvireront puisque les gagnants au moins les gagnants ont chance parce que les là toujours la vivent toujours et heureusement donc qu'on a après regarder l'autre bagaille l'autre aspect mais a fait dans ça qui gagne à quoi difficulté donc pour t'as le poussé non il décider dit la fonge. Écoutez bien, Robinson Alphonse qui c'est un journaliste tout à fait extraordinaire. On est qui gagne des capacités, d'accord, dis ça, de grandes capacités. Et il faut dire, c'est un intellectuel chevronné. Son est qui gagne yon capacité. Personnellement, pour l'insister, pour le montrer, les grandes solutions, et surtout à travers l'émission que le gagne, il fait de analyse tout à fait correcte. Côté que moun pas capable critiquer Alphonse parce que lui-même personnellement li arrangé pour le faire travail que l'a fait. Maintenant Robinson Alphonse monsieur qui pratiquement li c'est journaliste magique neuf vraiment hein, et l'un des grands responsables mais également c'est un journaliste qui travaille dans le Nouvelliste également. Il y a un pile gros travail qu'il a toujours fait pour montrer que, mais qui s'est fait, mais comment il va aller.
Donc, mes frères et sœurs, amis, je suis décidé en quelque sorte pour le faire deux mouvements. Matin bonheur, je suis dit me déplacer pour aller faire émission. D'ailleurs, nous connaissons déjà. Monsieur toujours gagné émission ça qu'il a animé. OK. Et puis monsieur arrivé dans 40BA. J'ai dit le remarquer qu'une machine qui t'a suivi un petit peu, ça fait quelques temps, mais il était un peu négligent. Et puis ça de là, elle a expliqué un peu négligent et puis m'a estimé quelque chose. Eh bien, mes frères et sœurs, amis, selon Alphonse, il dit, l'elle sent-il négligent, vrai? Et puis, c'est tout de suite après, elle prend le remarqué, n'ayez pas de vin dans le souci pour kidnapper lui, même j'ai lui-même dit, t'as fait analyse, non, parce qu'elle dit, dans le pays, ça, elle va pas forcer mon mot pour kidnapper. C'est l'elle gardé le remarqué, elle a commencé à ouvrir balle, et c'est pas la grâce de Dieu, c'est une d'accord répéter ça, elle dit, eh bien, diligence fait me arriver malgré divers coups de balle. Il était très vivant, très sérieux et malheureusement il recevait une balle dans la poignette. Donc pour l'instant que la prend soin dans l'hôpital comme ça devrait. Mais pour les méchants, c'est que nous étions supposés dans le moment ça et Abdi, adieu et rest in peace Robinson Alphonse. Puisque c'était leur volonté, c'était leur mission, afin que ils permettent que la situation détériore dans le pays à plus matin, midi. C'est pour aller acheter manger. Cabaret, yon s'agir à vendre 1200 dollars. Mes amis, moun pas à manger là, 35 km de la capitale. Tant pis pour un sacpil, moi, yo. Manger à gaspiller, l'autre fois mal et béné, on passe une douzaine de litres pour 20 dollars, il n'y a pas qu'à rentrer dans la capitale là. Souple, monsieur, qui a des âmes dans mes yeux. Comme son maman qui fait nous, c'est famille nous, c'est frère qui nous a souffri. Tant pis, c'est nous qui gagnons monopole des âmes dans mes yeux pour faire violence. Comme c'est nous prenons journée aujourd'hui, nous demandons nous faire. Et pour finir net, je m'a demande PM. Il te dit publiquement, il prend accompagner section communale, il prend mettre moyens dans mes casques yo pour éviter guerre civile, pour les gens pas arriver couper tête casques yo tout partout dans le pays. Tant pis, voyez moyen ça. Injecter comme ça sous section communale, laisser la gentil activité qui a fait petit courrier. D'accord. Une façon pour être capable de faire un petit moyen pour aider les gens. D'accord. Merci un peu, Paul André. Merci un peu. C'est moi qui pourrais mettre. D'accord. Et voilà, Nega Xamio qui continue à rançonner mon souroutio. Et c'est dans le moment où tu as trouvé le souroute Gantia. Je dis, a fait 17 jours depuis Bandi au kidnappé Ralph Sénécal. Il était accompagné avec chauffeur André Bazin depuis Léa. Par exemple, trop gros avancé qui fait souroute pour otage de joindre libération. Yo, pendant tant ça, plusieurs fois, continue à pleuver pour exiger libération. PDG Sam Ambulance là. Sam Ambulance qui. Plus APD Moon selon madame ni qui est avec nous en ligne pour demander une dernière fois encore à ravisseur pour libérer Maril. Madame, bonjour. Bonjour. Donc vous avec nous et matin et ça fait 17 jours depuis ou pas Maril et ou dit nous n'est pas en bonne santé. Donc vous voulez lancer un message à l'endroit de Moun Kikembelio. Oui, je vais commencer par saluer le panel Radio dans l'émission ça qui m'a donné l'opportunité pour être capable de faire froid matin. Je vais saluer tout auditeur et Radio Caraïbio. Et ça que moi-même, je vais demander aujourd'hui, je vais parler avec Moun Kikembelio, Marim, Radio Sénégal, avec tout André Bazin, chauffeur. Et qui t'a sorti de Mani et pour le river Gantier, et d'après information, ils ont kidnappé.
Maintenant, ça fait 17 jours. Et pas de grande avancée qui fait pour nous capables de jouer une libération. Marie n'est pas un monde qui joue de très bonne santé et plus joue à passer que n'y pas pour médicaments, que n'y pas non soins, plus que et santé l'a détériorer. Moi, je viens faire un appel solennel pour t'en parler dans le cœur. Moun sa yo ki ken ben mari ou pou yo ta la gel pou mwen s'il vous plaît la gel avec tout André parce que 17 jours mes amis que nous non ki déjà un monde malade et retenu il n'est pas sûr que il va dans des conditions favorables mais vraiment c'est un appel que m'a fait son cri que m'a lancé son cri mes amis s'il vous plaît quitter mon yo rentre la caillou surtout pour qu'a venir pour fin continuer faire travail à faire parce que son patriotisme ils sont un monde qui tellement aime pays d'Haïti ils tellement aime et nation ça ils veulent tout ça qu'on est pour capable aider pour capable entrer dans développement pays à pour les faire pays à aller dans un plus bon chemin. Parce que nous-mêmes, nous réalisons que nous sommes des Haïtiens, nous l'avons payé, nous supposons impliquer pour nous capables de changer les choses qui passent de la caille. Mais le fait que nous sommes là, nous sommes payés, l'insécurité qui monte gros comme ça, où nous traversons les frontières pour la déposer malade, qui a besoin. Pour une dialyse que tu as fait ici, mais que tu n'as pas faire à cause de toute situation qui est là. Et puis pour nous, là, la retourner pour que Bandi est intercepté avec toute ambulance là, avec tout chauffeur et puis lui-même. Donc son cri m'a relancé. Tant pris. Messieurs, qui est monsieur Sénégal, Ralph Sénégal, Marie, avec un doué Bazin, qui c'est un chauffeur, mais nous en est tout. Parce que nous-mêmes, son famille, nous sommes dans sa ambulance. Tout le monde qui a collaboré avec nous, c'est des bénévoles volontaires que vous avez. Et vous avez une famille avec nous, avec M. Sénégal, son monde qui est fait, son monde qui connaît nous. Son monde qui est toujours paré pour voler au secours de tout le monde à n'importe l'heure que vous demandez, que vous relève, que vous sollicitez, n'importe moment, dans n'importe condition liée à. Il est toujours paré. Et c'est ça qui fait que nous voulons intervenir aujourd'hui à la émission, ça que nous connaissons qu'on prend écoute. Parce que nous connaissons que les gens qui ont mis Marie mieux, il y a plein de fois aujourd'hui. Il y a plein de fois aujourd'hui pour être capable de libérer la Sénégal avec André Bazin. Je vous remercie pour l'opportunité ça nous donne moins pour être capable de lever foi jeudi à la. Levez voix pour moi, levez voix pour petit moyo, avec petit Rafio, petit moyo, qui n'est pas connu, qui s'abouille au fait. Parce que y a gardé sous moi pour qui ça va faire pour me faire pas retourner la caillou. Mais moi, pas, deux bras ballants, deux bras cassés, je ne sais pas qui ça va me faire encore. Je ne sais pas qui ça va me faire encore. C'est pour ça que moi, décidé aujourd'hui. On dit bon parler avec nous, messieurs. Avec nous, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il était là avec André rentrer la caillou. Merci beaucoup. Donc ça fait deux semaines et on dit que pas rien avancé. Ça veut dire nous pas rien contact avec monsieur Kikembe Ralphio. Nous avons contact, mais vous pas voulu entendre aucun rançon feedback que. Un montant qui est extrêmement qui est élevé en pile. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas gagné qualité de montant ça. Nous faisons tout et proposition, ça va marcher. Et puis, quand il y a là, il n'y a pas. Nous n'avons pas gagné un pied. Et comment nous n'avons pas gagné un pied. L'autre parole comme si échange avec vous encore concernant l'ençon pour nous taper encore parce que nous avons déjà fait son parti mais qu'on n'y a pas l'opportunité pour nous discuter de l'autre parti l'ençon que nous sommes capables de faire.
Voilà pour voir elle, yon, madame Ralph Sénécal qui a exigé libération Marie et nous imaginer qu'il y a plusieurs autres familles qui sont dans la même situation. On mari, on frère, on papa, on petite qui a exigé à ce que Bandio libéré proche qui en bas main. Donc Bandio qui pas chômé malgré les difficultés qu'il y a pour circuler. Donc même de continuer à circuler ou gain gaz jusqu'à ce que y a kidnappé moun. Merci beaucoup madame. Bon, nous d'accord poser cette question qui le ça a fini parce que c'est pas deux trois familles qui dans la peine qui gain de l'eau nager par rapport à gens de situation ça et en pile moun a posé cette question. Est-ce qu'un jour on va dire OK, nous te connait parler de ça yo? Oui, on va prendre tout ça, on a parlé de yo, là, nous mettons au passé. Peut-être c'est grand point d'interrogation. Entre temps, je ne dis la semaine dernière, je ne dis le matin. Hein, en pile, le monde toujours a essayé d'étendre qui ça a fait pour ce problème. Là. Mais tout Dieu fixé sous blanc. Pas de moins, même monde qui est dans le gouvernement, même autorité, yo tout. Abtan blanc. C'est dans le contexte ça, comme prévu, comme annoncé, il y a un conseil de sécurité des Nations Unies hein, qui était réuni. Vendredi 21 octobre 2022. Encore une fois, Haïti était à l'ordre du jour. Il était question pour résolution. Les États-Unis étaient proposés, soutenus par le Mexique. Il était mis en discussion et qui après a fini par une approbation souvelée de tout État à l'unanimité. En guise de rappel, qui sa résolution ça y est? Résolution ça, Ligue pourrait avec sanction que États-Unis avec Mexique eux-mêmes yo eh bien proposé pour gang yo cap opérer dans pays d'Haïti et pour monde cap financer gang yo en dans pays. J'aime ça dit tout à l'heure, tout État membre ou bien État permanent dans Conseil de sécurité Nations Unies, yo même yo voté ou bien yo approuvé souvelé à l'unanimité proposition ça. Maintenant nous voulons faire un travail pédagogique avec auditeurs auditrices Radio Caraïbes. Surtout si là yo cap tendin un peu loin dans pays. Ouvrez oreilles nous pour nous entendre parce que si nous avons information ça permet que nous comprendre, ça permet que nous analyser puis bien ensemble de paroles qu'ap dit sur Haïti ni en dans pays a ni en dehors pays a qui ça réalité a e? Dans résolution États-Unis que Mexique lui-même lui proposé a yo vini avec un régime de sanctions pour moun qui c'est chef de gang et pour moun tout cap financer gang yo cap collaborer avec gang yo pour qui ça me dit financer et collaborer régime de sanction li considéré pour financement moun cap fait cap acheter zam et bay gang yo cap acheter munition bay yo cap bay ou l'argent moun cap collaborer avec yo c'est des moun qui a fait ou joine zam nan même les bay yo vendre li même les bay ou bay li. C'est des monde qui fait pont pour yo, c'est des monde qui gère business yo, c'est des monde tout qui régler affaires économiques yo, c'est des monde tout les ont besoin atteindre une série de objectifs, les ont besoin satisfaire une série de désirs, une série de caprices et bien vous fait appel à une série de gang pour gérer ça. Et bien Nations Unies lui-même à travers proposition les États-Unis et le Mexique, et bien yo établi un régime de sanctions pour monde ça yo. Mais attention hein, avec un focus, avec un trait de particularité sur un monsieur Oele Jimmy Cherizier alias Barbecue qui a dirigé un groupe armé en un pays qui est le G9 en famille et allié Mayon Mayon tout. Avant de arriver sur focus, yo mettez sur Barbecue a faut que vous comprenne qui ça qui dans régime de sanction ça. Dans régime de sanction, il y a trois bagages moins relevé pour mon yo. Pour ba la ligue pour acte voyage, interdiction de voyage. C'est ça que fait, yo expliquer moun yo prend sanction contre yo, yo révoquer visa yo surtout les États-Unis et gen obligation qui fait à tout état membre yo pour interdire moun sa yo voyager dans territoire qui c'est des états membres en dans Nations Unies.
Ça c'est premier catégorie sanction. Deuxième catégorie sanction, il y a un rapport à ça nous relé gel des avoirs. Ça veut dire qui ça? Dans tout état membre, sur tout territoire pays état membre, depuis qu'il y a un monde qui dans liste ça, qui gagne des transactions, qui gagne des comptes, qui gagne des fonds, eh bien, yo là pour yo bloquer compte ça yo. Ou bien tout ça qui gagne pour avec ressources économiques. Que c'est moun qui nan gang nan même, que c'est moun qui chef gang nan, que c'est moun kap bay gang nan l'argent, que c'est moun kap fè ou jwenn zam, kap fè ou jwenn munition, que c'est moun kap collaborer avec yo. Troisième catégorie de sanctions qui dans régime de sanctions, hein, li rele embargo ciblé sur les armes. Donc pour moun yo comprendre ça qui embargo ciblé sur les armes, non? Liste ça que Nations Unies gen amel là, liste ça que les États-Unis avec le Mexique, eh bien soumettre là, tout moun ki la dan yo, yo genyen on restriction pour me pas dire on interdiction formelle pour yo pas ni acheter zam, pour yo pas ni vendre zam, pour yo pas faire aucune transaction qui gen rapport à question zam, munitions, équipement militaire, etc. sur tout territoire. Nous capable dire qui c'est état membre Nations Unies. Maintenant, pour nous venir sur question barbecue, dans liste ça Nations Unies soumettre là. Est-ce que barbecue c'est seul chef gang qui l'a dedans ou bien est-ce que barbecue c'est unique monde qui fait partie de liste là? C'est quelque chose à moi un paquet on a posé. Je ne crois pas. D'ailleurs, liste là j'aime de dire, li clairement dit dans régime de sanction hein, que li gen des chefs de gang là-dedans. Li gagnent de monde qui habitué bay gang yo cob, qui habitué bay aux armes, qui habitué bay aux munitions, li gagnent de monde qui habitué collaborer avec yo, faire au travail pour yo. Mais pour qui ça focus ça sur barbecue? Eh bien qui ça madame Linda Thomas Greenfield lui-même lui expliquer. Pour monde qui pas connaît yo, madame Thomas Greenfield, c'est ambassadrice des Nations Unies au niveau ambassadrice plutôt des États-Unis au niveau des Nations Unies. Madame n'a expliqué focus yo mette sous barbecue dans minute à parler là, c'est parce que barbecue c'est principal responsable de tout ça n'a vive journée jodi a les ont décidé les même avec équipe li bloquer varu. Bloquer varu veut dire qui ça? Gaz la vin pas disponible et nous tout connaît conséquence indisponibilité gaz là, li vin bay ça n'gen là comme crise humanitaire aiguë, nous sont à parler de ça et pas on se gode, nous pas jamais rater l'occasion pour nous parler de lui dans le journal qui passe. Qui s'allie? C'est près de 4 millions de timoun qui pas qu'à aller à l'école, malgré l'école là, l'ouvrir entre parenthèses. C'est l'hôpital qui a fermé, nous traitons la question ça aujourd'hui avec le docteur. Parce que, il y a un problème de gaz, il n'y a pas qu'à jouer d'oxygène. C'est le transport en commun qui est paralysé, madame Sarayo, il n'y a pas qu'à venir vendre, il n'y a pas qu'à venir avec marchandises au niveau de marché. Yo. Et les gens qui peut-être ont un rapport avec des grossistes au niveau de Port-au-Prince, camion n'y a pas qu'à passer route nationale pour apporter marchandises au niveau de province. Donc, toute situation ça là, eh bien, selon madame Thomas Greenfield, qui c'est l'ambassadrice des États-Unis au niveau des Nations Unies, c'est barbecue qui est responsable. Donc, ils ont présenté barbecue comme l'un des bandits, comme tu as dit, le plus gros bandit dans le pays. Ça n'a pas les bandits notoires. C'est madame Greenfield qui a parlé, ce n'est pas Johnny Ferdinand. Donc, pour eux-mêmes, il est important pour eux mettre un projecteur particulier, un focus particulier sous barbecue, Jimmy, sous barbecue ou bien sous Jimmy Cherizier. Maintenant, en plus, on a posé la question, est-ce que barbecue est le seul chef de gang qui a opéré dans le pays? Nous pas quoi ça? Est-ce que barbecue tout c'est seul lui-même qui sous liste là? Nous pas quoi ça parce que nous sommes expliqués là liste ça la donne gagne des monde qui a financé gang yo, gagne des monde qui a collaboré à gang yo, gagne monde qui a fait gang yo joindre zam, qui a fait gang yo joindre l'autre matériel, l'autre munition, etc. Mais maintenant pour monde qui pensait que avec demande officielle ou bien formelle gouvernement non badgé Nations Unies ou bien État membre ou bien international là, tu as le courir, voyer force militaire ou bien force spéciale armée dans le pays, ya, Jean, l'État haïtien ou bien gouvernement Ariel Henry a demandé ça. Qui t'aime dit nous ça aujourd'hui? Avec l'histoire, avec ça moi-même, moi li, tu mets ces balles, tu mets ces mal blanc fort, nous là, bien Ariel Guerrier, tu mets ces mal blanc fort, faut que les jeunes formule pour le faire. Pour le baou l'impression qu'il a bien agi.
bien dit 8 mètres, c'est mal l'a fait. Voir que si ça l'a fait, il inscrit dans le cadre légal. Donc là toujours bon l'impression que lui sont monde qui respecte les principes, qui respecte les traités, qui respecte les conventions, etc. Donc c'est pour vous dire que tout ça qu'a fait là pas fait dans libre. Li a fait au regard de ça où le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Madame monsieur, qui ça chapitre 7 là dit notamment dans article 39 41 42 li. Eh bien, chapitre 7 là dit mais qui action Nations Unies état membre doit poser les gagnants menacent contre la paix sous territoire ou état membre, les gagnants la paix, pas gagnants la paix encore du tout, et les gagnants des actes de violence. Article 39 l'a dit, d'abord le conseil l'a réuni pour constater que les menaces par rapport avec question la paix sous tel territoire. Ensuite, l'a gagné pour faire des recommandations par rapport à ensemble de mesures qui doit prendre conformément à l'article 41 42. Dans l'article 40 là, qui ça chapitre 7 l'a dit. Pour empêcher situation aggravée, Conseil de sécurité avant de faire recommandation ou bien avant de décider qui mesure qu'a prend conformément à l'article 39 là mandé ça, il est capable demander toute partie qui est intéressée, il est capable demander tout protagoniste, tout monde qui est impliqué, eh bien pour conformer soit chita ensemble, soit jouer nos consensus, soit jouer nos formules. C'est ça qui fait la position de la Russie et de la Chine, ou bien l'impression qu'apparemment, ils ont déjà bougé. Parce que la Chine et la Russie, ils n'ont pas de problème avec une force au niveau d'Haïti. Mais attention, ils ont demandé récemment, il faut qu'il y ait une entente qui joigne entre différents acteurs. Bon, on a bien pour le venir sur ça, ce qui, à notre sens, quasiment impossible. Et dans l'article 41, il dit Conseil de sécurité a décidé, sans le beaucoup de questions force là, eh bien, pour éviter toute membre des Nations Unies, il a appliqué une série de mesures. Parmi les mesures, il est capable d'interruption complète ou bien partielle de toute relation économique, de s'annuler de toute communication, que ce soit par voie ferroviaire, maritime ou aérienne. Il est capable tout prendre de l'autre bagage qu'il y a moyen de communication et capable de gagner des interruptions au niveau des relations diplomatiques avec pays ça, et bien qui concerné par question et violence n'a pas parlé là, question menace contre la paix n'a pas parlé là. Et c'est juste dans l'article 42 là, yo vinn parler de possibilité, et bien pour permettre gagner l'armée yon ou bien plusieurs états membres qui constituent qui pour capable venir en d'un pays côté que problème là. Donc tout ça c'est pour me rappeler nous que blanc pas maintenant tête nous que s'il a débarqué, comme ça un bon matin. Donc j'aime te dire là l'a toujours joué une formule pour bailler bagala en force. Mais maintenant après sanction qui sa prochaine étape yoé, est-ce que barbecue pral prendre en pression blanc et puis pour le débloquer vare? Mais maintenant si vare débloqué, est-ce que ça veut dire crise là tout résoudre? Moi-même, je ne crois pas parce que crise, ça nous tous d'accord, sont crise multidimensionnelle qui devine détériorer à partir de annonce ajustement prix gaz là que Ariel Henry a fait dans une adresse à la nation. Yo. Donc, pas oublier, il est capable de soulagement dans la mesure où gaz là pas disponible déjà, mais problème structurel, il est capable de rester parce que il y a un élément déclencheur, c'était ajustement prix gaz à la pompe là jusqu'à 670 gouttes là. Pas oublier problème politique là, déblocage va pas permettre de résoudre parce que acteur toujours sur la corde raide. Pas oublier bon ensemble de problèmes qui lient à insécurité qui pas forcément lié avec blocage va. Donc est-ce que si va débloquer ces problèmes réels yo cap résoudre un peu mon abdou non, c'est ça qui fait gen moun qui conclut qui dit et approbation ou bien vote souvelé de résolution américaine dans les Nations Unies vendredi. C'est tout carrément pour faire Timoun dormir, c'est tout carrément de la pure plaisanterie, puisque ça en aucun cas pas aider, selon Avi Mounzayo, résoudre le problème qui est là, qui sont des problèmes qui sont assez profonds et qui sont des problèmes qui sont urgents, qui méritent des réponses urgentes et réalistes. Et il y a des réactions qui viennent après, en tout cas, adoption résolution Sayo, c'est cas les des partis Rassemblement Socio-Démocrate pour Progrès, yo Victor Benoît qui dit qu'il a accueilli adoption unanime Conseil Sécurité Nations Unies vendredi sur projet résolution 2653 qui sanctionnait gang avec complice en Haïti.
Maître Benoît Croix, décision ça t'a qu'à aider Goumen contre insécurité qui gagne en payant. Cependant, social-démocrate l'a demandé pour ta gagne une enquête qui fait dans niveau la justice haïtienne et internationale pour joindre vrai coupable. D'après Saldi, ça t'a qu'à éviter victime yo, en tout cas innocent qui payait pour coupable. Bonne côté, professeur Victor Benoît qui t'a répondu à la question Micheli Alexis. Et bon, c'est que la communauté internationale, dans son entièreté, hein, c'est-à-dire les 15 membres du Conseil de sécurité votés aux résolutions à l'unanimité, ça signifie que nous disons et que question bonitiste, je parle à Dani. Et tout haïtien, tout le monde censé à vivre dans le pays ou bien dans le pays, il n'y a pas qu'à d'accord avec Barrière, question bonitiste. Donc il y a kidnappé le monde, violé le monde. Empêcher ce qu'il a souffert dans notre pays et empêcher gasoline et rentrer dans le pompio. D'accord? Et c'est tout à fait qu'on est, qu'on est monde, tuer monde, etc. Ça, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, monde pas d'accord avec l'État. D'accord? Alors que, la, que le monde entier prend position contre lui, hein? Et nous-mêmes, n'est-ce pas, nous plus que d'accord. Et qu'on y a, et qu'on l'autre aspect, ça dit des sanctions qui sont prises. Contre mon dit qui a financé gang ou bien qui est de connivence avec eux, seulement nous pensons oui, hein, son bagage c'est une bonne chose, mais il faut que ça fasse hein, dans le respect de cette norme. Qui norme? Il faut que l'enquête qui fait, l'enquête sérieuse qui fait, et que faut que la justice est prononcée sous Casario, parce que nous sommes capables. Au côté de mon pays, son pays côté monde avec l'agneau capable de détruire l'autre monde. Donc, bon, c'est que, et il n'y a pas qu'à baser ça dans son coup. Là, mon monde, il faut qu'il y ait une enquête qui fait, d'accord? Pour qu'il va à l'Afrique avec le sens de l'équité. Hein? Donc, pour ce n'est pas un monde qui est l'homme fort de moment, ou un monde qui est position politique favorable à un moment donné, et puis qui non, je dois être son monde, non. Nous pensons qu'il faut bien. Il faut bien enquête, il faut bien justice, il faut bien dossier. Tout ça, c'est ça que je dis. Maintenant, toute politique qui tend à combattre le banditisme pour le peuple à capable de vivre, on le dit, nous pensons son bon bagage. Au niveau RSD, on a vu ça. Vous parlez de la justice, sans précision, qui est la justice, haïtienne ou internationale? Il y a deux côtés. Il y a deux côtés. Il y a des cas, c'est capable de couper dans international ou bien dans des pays qui est capable d'en Haïti, etc. Parce qu'il faut une collaboration entre la justice haïtienne et les cours appropriés sur le plan international sur question ça. L'actualité politique là, les députés de Saline, Jean-Charles Moïse, présenté hier dimanche là dans Port-au-Prince à l'Irélé, Conseil Transition Peuple Souverain d'après lui qui pourrait diriger PIA. KTPS là gen la dans 9 membres parmi yo docteur Eugénia Romain comme président, Edgar Leblanc fils vice-président ak maître Jacques Seyus Joseph. Conseil de transition gen pour mandal chita pale ak tout estikti politique qui déjà regroupé yo ak tiè Sénat pour rive jwenn yon entente pour former un gouvernement entente nationale kap gen pour prendre en compte revendication population. Aucun membre conseil là kap gen